Match à mort par équipe. Exo activé. Éliminez les ennemis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Call of Duty Advanced Warfare sur donc la version Xbox One. Bon, je suis pas un pro gamer, hein, un pro pro Call of plutôt, mais je me débrouille hein, quand même. La partie n'est pas forcément extraordinaire, vous allez voir le score à la fin, mais je fais un ratio positif, mais elle est pas. Enfin voilà, faut pas vous attendre un gameplay de ouf, j'expliquerai les raisons tout à l'heure. Là, juste une petite annonce. Dans 2 semaines, les abonnés qui se sont abonnés pour du GTA V seront ravis car le jeu sort pas le 18 novembre. Donc c'est très très proche, hein. Je suis super impatient, ça va être une tuerie ce jeu. Enfin ce jeu, avec les améliorations qu'ils ont pu faire dessus. Enfin bref, on verra ça quand il sortira. Sur ce, on revient au gameplay. Là, on est sur la map Recovery en MME. C'est une map où, enfin je sais pas, j'ai l'impression que... À un moment donné, il va avoir des gaz ou quoi qui vont faire que je vais mourir alors que je savais pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est ça. En jouant, j'ai pas compris pourquoi j'étais mort. Mais on verra ça quand ça va se passer au moment venu. Là, je jouais à la K12G. Donc, c'est la K12 disponible dans l'édition Day Zero du jeu qui est sortie le 3 novembre. Sinon, l'édition normale, elle est sortie le 4 novembre. On a tout, par contre ça je peux pas vous dire ce que j'avais parce que je me rappelle plus du tout. Par contre en compétence d'exosquelette, j'avais et j'ai toujours d'ailleurs la compétence pour courir plus vite pendant un certain temps. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis. Moi je trouve ce Call of très bien, c'est Ghost, franchement... Ça n'a strictement rien à voir. Les gens qui disent ouais, le jeu il est nul alors qu'ils n'y ont même pas joué, franchement les gars, testez-le parce que ça n'a rien à voir. Le plus gros point que je retiendrai le plus, c'est que les spawns sont quasiment nickel, je dis bien, parce que là lorsque j'ai fait la vidéo, j'étais niveau 19 je crois. En 19 niveau j'ai dû respawn une fois devant un mec. Bon, bien sûr qu'il m'a tué parce que voilà, ça m'a surpris un peu. Mais moi il n'y en a aucun qui a respawn devant moi, en tout cas pour l'instant, hein. Mais voilà, les spawns sont 10 fois mieux que sur Ghost quoi. La vie est un peu augmenté, ça doit être c'est plus ouais, ça c'est pas autant que BO2, c'est entre Ghost et BO2 quoi, si vous voulez, avoir un peu une idée. Oula, j'ai un blanc, attendez. Oh là 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 là, je sais pas quoi dire. Bref, parce que là bon, je vais dire, j'avais dit que je parlais de ça, c'est vrai. Pourquoi... Attendez, voilà, dédicace à TOTX Deagle, voilà. Là, ils étaient en train de jouer au chat et à la souris. Mais mon coéquipier s'est fait tuer, moi aussi d'ailleurs. Pourquoi je mets un gameplay qui n'est pas extraordinaire en ratio? Tout simplement, là, vous pouvez voir ma précision de malade. Là, ça m'avait gonflé, je crois que je l'avais laissé au gars. Ouais. Exact, ça m'avait gonflé, j'arrivais pas à le toucher, je me suis barré. Bref, je disais pourquoi je ne mets pas un gameplay de ouf, parce que j'en ai réalisé des bons, hein, des gameplays, mais bien sûr pas quand j'enregistre, vu qu'il n'y a pas le mode studio. Tout simplement parce que j'aurais très bien pu en enregistrer encore plusieurs jusqu'à ce que j'ai un gameplay très très bon, mais moi,
Je me dis que tant que je fais pas du 100% Call of Duty, j'ai pas besoin de vous montrer des... comment dire? Ah! Des gameplay de ouf! Tout simplement déjà parce que c'est pas ma spécialité, mais là c'est en plus, c'est pour vous montrer un peu ce que donne le jeu. Voilà, ce que je disais, ça, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait ces genres de gaz verts là. Et là, je m'étais demandé pourquoi je suis mort, mais en revisionnant après, j'ai compris. Donc là maintenant, on est passé sur une autre partie de la carte, une partie sécurisée. Mais au départ j'avais pas trop compris, je croyais que c'était la map qui avait changé tout, mais en fait non, pas du tout. C'est qu'il y a deux parties sur la map et quand vous entendez la sirène, il faut aller dans cette partie là si vous ne voulez pas mourir bêtement comme je suis mort tout à l'heure. Là par contre, petit inconvénient, mais ça par contre c'est pas du tout le jeu qui fait ça. C'est la communauté, dont dans cette partie ça va et... ce que je vais dire, c'est pas pour cette partie, mais il y a des parties où vraiment les gars, faut arrêter, il faut bouger, hein. Vous connaissez le joystick gauche? Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça, mais parce que t'as les gars, ils sont au coin de la map, viseur fixe, mais ils ne bougent pas, voilà. Et moi, comme ça m'énerve, je retourne sur eux à chaque fois, je veux absolument les déloger, et du coup je meurs encore, encore, encore et encore. C'est souvent pour ça que je fais des parties méga... avec un ratio négatif. Donc voilà, ce gameplay est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres gameplays, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou bien à laisser un like. Sur ce, à bientôt tout le monde. Ciao. Voilà, c'est terminé. Si t'as kiffé, tu peux aimer la vidéo et t'abonner. Sinon, je te casse les dents et peut-être le nez. À bientôt.